non, il y avait vraiment un regard de chien piteux là, qui se peut plus. Là. En même temps, il est chic. Mes œuvres sont toujours inspirées de faits vécus, des choses qui se passent dans ma vie. Donc, les petits savants fous, c'est une de mes amies qui m'a dit qu'elle avait amené son fils chez le psychologue qui était déguisé. Et ça, ça m'a saisie. C'est des moments poétiques comme ça dans ma vie que je récupère et que je transforme. Alors, mes petits chiens sont tout simplement des métaphores des êtres humains qui ont des émotions particulières et ils sont déguisés justement pour à la fois transgresser cette émotion-là ou la mettre en valeur encore plus. Les petits savants fous, c'est justement des enfants brillants, des êtres humains sensibles qui nous transmettent ces phénomènes-là. Donc, ça a commencé là, dans ma vie ordinaire, une petite pensée qui a fait une image dans ma tête, une poésie. Mais c'est vraiment drôle parce que moi, je regardais ce petit chien-là. T'en as fait toute une série, d'ailleurs. Puis on dirait des petits personnages qui sont coincés dans la vie, dans leur quotidien, qui sont à un endroit où ils veulent pas vraiment être. Puis on a l'impression que leur rêve se réalise dans leur queue, qui devient végétale, comme si ce chien-là avait envie d'aller courir dans un champ, avait envie de liberté, mais il est coincé un peu. Bien, chaque élément, comme ça, amène à l'émotion du visage, qui est très baroque, hein? C'est un petit théâtre sur un chien. C'est sûr et certain que les branches qui s'en vont de tout bord, de tout côté, c'est vraiment la liberté, c'est sûr, là. Mais en même temps, tu vois, ça pousse sur une patte. Oui. Tu sais, la patte, ça porte, tu sais, le mouvement. Bon, c'est tout à fait ça. Puis en plus, dans la plupart de mes chiens, ils sont surhabillés. Oui. C'est vraiment des déguisements. C'est sûr et certain que ça renvoie à une espèce de folie, une démesure, mais en même temps, un mal-être aussi, qui est tout à fait porté par tout le monde, hein? Oui. Ben, à moins que s'il y a quelqu'un de parfaitement bien, moi, je suis ouverte à vous rencontrer. Pour discuter de mon mental. Tout à fait.